D'habitude, à 11h, je dis les informations. Et après les informations, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les pronostics de Christian, que vous retrouvez évidemment tout au long de la matinée, du matin, la matinée, parce que c'est un homme qui se lève très tôt, qui se couche très tard. C'est vrai. Tout le temps à la radio. Toujours, ouais, toujours. J'ai mon hamac dans le studio et tout. Tout se passe bien. Bonjour Max. Bonjour. Et en plus, je suis ravi parce que Christian, c'est une légende de cette maison. Attends, faut quand même rappeler quand même que tu es là depuis combien d'années? 33 ans. 33. Dites 33. 33, comme chez le docteur. 33. Ça, c'est de la longévité où je m'y connais pas, hein. Voilà. Et de la fidélité aussi. Aussi. Donc, si aujourd'hui vous avez une radio qui est belle, qui est facile à écouter, qui est agréable à écouter, bah, c'est en partie grâce à Christian qui est là et je veux lui rendre hommage. Voilà. Oh, ça me fait plaisir. Mais je deviens tout rouge, là. En tout cas, bonjour et bonne année à tous. Merci. Merci. Bonne année à toi et ta famille aussi. Et j'en profite pour faire de gros bisous à maman Cécile. Voilà. Cécile, bonne année. Cécile, c'est ma maman à moi. Maman voilà. Max, que j'adore. Il va fêter cette année, en 2016, ses 94 ans. Ouais. Elle ne les fait pas du tout. Hein. Non, elle c'est a vrai, une pêche d'enfer. Pourvu que ça dure. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter, Christian, pour la nouvelle année? Allez, plein d'argent pour les turfistes. Ah, plein de sous pour les turfistes. Bon. Et pour les autres aussi. Et pour tout le monde. Pour faire confiance à tes pronostics, alors. Hein. Vous avez tout intérêt. Exactement. Voilà. Bon. Et puis, bonne continuation, bon courage, parce qu'encore une fois, Christian fait beaucoup de choses dans cette maison. Et j'entends nos boulots, lui, là. Ce ne serait pas tout à fait la même chose. Il faut bien l'avouer. Merci, Max. Et bonne année. Christian, je te souhaite une très bonne année aussi à toi et à ta famille. Voilà, gros bisous à tous. Belle journée. Au revoir.